old soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna throw a lot of love up behind my lover's back. I sit and watch it till qu'il est situé le circuit. On recommence. Ouais. Okay. Dans l'Aquitaine, à 100 km de Bordeaux, 100 km de Bayonne. D'accord. Une piste qui fait 1400 mètres, 8 de large, départ à 10 mètres, et pour les supermotards, une partie terre. Voilà. Et au niveau de la partie terre, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui est... Ça, c'est le rôle de Christophe et puis notre ami. Alors, la partie terre, elle fait 250 mètres de longueur, sur 6 mètres. Donc il y a deux virages relevés, deux appuis, une table, une catapulte, un S de sortie et puis des vagues sur la dernière ligne droite. D'accord. La difficulté, ça a été de ramener du bâté d'autoroute, parce que ici c'est que du sable, donc en fait c'est trop long, la partie terre. Donc il a fallu ramener combien de camions ? 22 semis remorques de gratté. Pour remblayer en fait, pour que ce soit suffisamment porteur. Voilà, sinon après... Maintenant on attend, on est en train de faire le dossier d'homologation qui va être validé par la préfecture et ensuite validé par la FFE
de manière à ce que l'on puisse rouler dans les meilleures conditions et avec les règles de sécurité validées par la FFR. Il y a eu des soucis pour l'homologation, je vais y arriver. Pour l'instant, pas de soucis, si ce n'est les délais, puisqu'on nous impose 3 mois de délai, 3 mois incompressibles, et avec éventuellement, s'il y a des modifications à faire, un nouveau délai. Donc on espère qu'elle sera praticable à l'automne, on espère refaire une journée à l'automne, de manière à faire une belle journée et inviter tous les pratiquants du Sud-Ouest cette nouvelle piste qui a été validée aussi par Sylvain Bidard. Il est venu nous aider à valider le tracé et à faire les quelques modifications qui nous sont pas apparues au départ. Et le tracé, ça a été validé donc au bout de la deuxième fois, il y a eu des changements, il n'y a pas eu de gros changements, on a fait un tracé simple pour permettre à tout le monde de s'amuser dans les meilleures conditions, pas forcément un tracé très compliqué et dangereux. Ceci étant, que ce soit Monsieur Lamoureux de la Fédération ou Sylvain, ils ont confirmé que le tracé de la liste bitumée et le tracé supermoto partitaire étaient du niveau d'un championnat de France. Donc c'est pour l'avenir satisfaisant, puisque je pense que les pilotes qui vont venir rouler vont prendre beaucoup de plaisir, puisque c'est le but poursuivi par tous et par Xavier. Merci encore d'avoir ouvert la piste au supermoto. Donc en gros, d'ici quelques temps, on pourra espérer rouler sur la partie terre. À l'automne, ce sera bon pour avoir une vraie piste de super motard, même si aujourd'hui tout le monde s'est amusé, semble-t-il. Enfin, évidemment amusé. Je pense qu'effectivement, très prochainement, on pourra faire un vrai super motard avec une partie terre, une vraie partie terre. D'accord, bon, on va parler d'aujourd'hui alors. Bilan de la journée pour Monsieur Xavier. La journée, moi, bien, beaucoup de 37 motards, c'est ça ouais. Ouais, puis, tout le monde s'est bien amusé, j'ai regardé, bon, une petite gamelle sans gravité, voilà, et puis 75 à manger, on était quand même, donc voilà, et puis on a eu une bonne journée, soleil et tout, donc pour moi c'était bien, après, je sais pas si c'est bien. Ah ouais, très bien, ça a plu à tout le monde, c'est une réussite. Prochain roulage dans la même dynamique alors. Moi la date, pas de problème, après faut voir avec Christophe le calendrier après pour Christophe. Très bien. Voilà, donc il faut s'y prendre un bon mois et demi à l'avance pour amortir un peu tout le monde et puis pourquoi pas quoi. Fin juin c'est une date en vrai. Oui pourquoi pas, on va pouvoir en laisser. Mais c'est bien. Fin juin, avant l'été. On a l'habitude au 100% SMC de faire des week-ends complets. Est-ce que ça pourrait être prévu pour l'année ? Je crois qu'il y en a un prévu pour l'octobre. Le week-end complet, il est prévu sur le début de l'automne, en fait, septembre-octobre. Donc on espère évidemment que la partie terre sera homologuée et qu'on pourra faire le week-end complet samedi, dimanche.